Et bienvenue dans ce nouvel épisode sur LSPDFR, donc normalement l'épisode numéro 18. Donc cet épisode-ci, on va faire du contrôle autoroutier globalement, puisqu'on va rester sur l'autoroute. Si on peut appeler ça une autoroute, parce que je pense que l'autoroute c'est plus ici. Mais globalement, c'est ce qu'on va faire, on va rester sur les voies rapides et on va faire du contrôle de vitesse. J'ai déjà préparé, cette voiture est allée un peu vite, mais pas vu. J'ai déjà préparé. J'ai mis la vitesse à 120 km/h. J'aurais peut-être dû le mettre à 110. Je sais pas trop quelles sont les limitations de vitesse aux États-Unis. Je pense que ça doit être à peu près la même chose qu'en France. Mais on ne sait pas. Alors je laisse un crédit de 5 km/h à chaque fois. Quant aux vitesses de. Comme en France en fait. Quant aux vitesses de. À laquelle roule la voiture qu'on a. Donc on va attendre quelque chose. J'en profite pour dire que j'ai installé de nouvelles voix dans la radio. Ça m'a été proposé par un abonné. Après, j'ai regardé, j'ai fait mon choix au niveau des dispatchs disponibles. Mais voilà, vous aurez des nouvelles voix un peu plus réalistes. Ça va changer quelque chose. Bon, par contre, j'aimerais bien avoir quelqu'un. Illegal immigrant in truck. Alors, on va éviter. Je prends pas ce cas l'autre parce que là, ça va être. Vu comme c'est localisé, ça va être dans cette zone ici, là, voilà, dans les petits canyons et tout, ça va être chiant. Voilà, vous avez des nouvelles voies. Donc ça sera horrible. Donc je préfère pas prendre ça. On va attendre qu'il y ait quelque chose. J'en profite pour dire que l'épisode 19 sera sur la gendarmerie. Ah, attendez. On part en code 3. On va arrêter ce véhicule là. Alors c'était celui-là, je crois. Oui. Allez! Ah, ok. Il faut que je me mette devant. Hop. Oh, tu te calmes, toi! On va couper la sirène. S'il pouvait me suivre, ça m'arrangerait. Il fait quoi là? Sérieusement? Allez, tu me suis, s'il te plaît. Voilà. Voilà, elle me suit. C'est bon. Hop, on va mettre ça. On va le faire avancer encore un peu. Encore. Encore. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. On va sortir du véhicule et on va aller interroger ce monsieur. On va voir pourquoi il est au-dessus, ou cette dame plutôt. Bonjour madame, police. Je vais vous demander les papiers de votre véhicule s'il vous plaît. Vos papiers d'identification s'il vous plaît. Alors Sabrina Alessi, on va voir ce que ça donne dans le fichier. Alors Sabrina Alessi, on va voir ce que ça donne dans le fichier. Alors licence expirée, pas recherchée par le LSPD. On va quand même vérifier, faire un check de plaque sur la voiture. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'il doit y avoir marqué licence expirée, mais on sait jamais. Ok, donc on va juste lui demander si elle a bu ou des choses comme ça. Ah oui. Ok, donc elle se fiche de ma gueule. Donc on va lui demander de sortir du véhicule. On va s'occuper du passager ensuite. Alors madame... Non mais t'es sérieux là? Oh, reviens ici! Oh, je vais me prendre la voiture. Oh, je vais... Madame, mettez-vous à genoux. Doucement. Vous vous mettez à plat ventre. Doucement. Voilà. Alors je vais vous arrêter, madame. Votre licence est expirée et vous conduisez. Donc... C'est une infraction. Je vais m'occuper. Non. Alors, venez, madame. S'il vous plaît, suivez-moi. Suivez-moi, s'il vous plaît. Vous allez vous mettre ici et je vais m'occuper du passager. Bonjour, monsieur. Ah, putain. Non, mais sérieusement. Attendez, on va se mettre de l'autre côté. Peut-être marcher de l'autre côté.
Non. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Allez. On va l'arrêter. Bonjour, monsieur. Je vais vous demander vos papiers d'identité, s'il vous plaît. Ok. Donc, on va le faire direct par la radio. Ben. Oh putain, ils ont des noms. C'est horrible. Ok. Donc, lui, il est pas recherché. Donc, on va le laisser. On va s'occuper d'un rapatriement par Tow Truck pour ce véhicule-là. Je vais enlever les spikes. Ah, bien sûr, il a spawné dans le canyon derrière. Bon. Donc, ce qu'on va lui dire à lui, c'est qu'on va lui mettre un avertissement. Et il est encore en train d'essayer de s'ouvrir cette putain de porte. Là, faut que je change... Que je change... Eh? Que je change les touches. Elle, on va la fouiller rapidement. J'aurais peut-être dû fouiller le véhicule. Ah, il va... Ah, il va prendre le véhicule! Non, mais il est sérieux, lui! Ok, donc on va demander un transport pour cette femme. Et du coup, le véhicule, il s'est barré, mec. Oh là là, c'est le bordel. Oh là 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 là. Donc nous, on va reprendre notre patrouille. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils sont arrivés là? Mon Dieu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans la circulation. Comme ça, on pourra contrôler ceux qui arrivent en face en même temps, je pense. On va couper les gyros, ce serait bien. Pour éviter qu'ils s'arrêtent en plein milieu. Et puis éventuellement, on fera des interventions si on obtient quelque chose. Alors, vous voyez où c'est. C'est en plein milieu dans les montagnes, on va éviter. On va voir ce qu'ils ont au dispatch. Drug runners. Alors là, je vais prendre. Ok, dispatch, je prends. Je pars en code 3. Alors, on va peut-être pas partir du tout en code n'importe quoi. On va peut-être les attendre justement. Parce que là, ils arrivent vers nous. Ouh là là, je fais n'importe quoi. Ce que je peux faire éventuellement, c'est faire un barrage avec des hearse. Non, ok, donc on va partir rapidement en code 2. Je vois qu'ils sont en train de partir plus dans les montagnes. Alors, je voulais pas faire de plus que ça de call-out dans les montagnes, mais là, drug runners, ça peut être intéressant. Le problème, c'est que vous voyez, ils prennent la route la plus dangereuse du jeu. Ça va être un peu chaud. À la limite, ce que je peux faire, c'est éventuellement demander un hélicoptère une fois que j'aurai rejoint la poursuite. Enfin, j'aurai rejoint les. Ah merde, j'ai écrasé des lapins. J'aurais rejoint pas les bandits, mais les trafiquants. Je vais y arriver. Alors, on va mettre un peu de temps à arriver. Ah. En plus, si je fais ça en plus. On va essayer d'éviter de tomber dans l'eau. Hein, parce que je me rappelle que j'ai déjà pris une fois dans un épisode. On sait comment ça a fini. Cette route est juste horrible. Et du coup, si je finis dans la flotte, vous en étonnez pas. Oh putainaise. On va ralentir un peu, on sait jamais. C'est là que c'est... Ouais, voilà. Je suis sur eux. Ok, donc on va arrêter les gyrophares. Ah, ah non, non. Oh là là. J'ai failli tomber. Ok, donc... On y est presque. Mais pourquoi ils ont pris cette route, quoi? Je sais pas, moi, d'habitude, les mecs qui font des trafics de drogue comme ça, ils prennent l'autoroute. J'ai encore écrasé un animal. Allez, les animaux, là. Mais qu'est-ce que vous faites? Ok. Ah, je devrais pouvoir les arrêter dans pas longtemps. On va y arriver. Et en plus, c'est que ils vont pas à 0 km/h, quoi. Arrêtez-vous s'il vous plaît, on va y arriver. Fou. On va mettre une petite herse. Toujours utile. Et on va se mettre ici. Attendez, on va juste couper les gyros. Voilà. On va couper le son.
Bonjour monsieur, je vais vous demander vos papiers d'identité s'il vous plaît. Ok. Ils viennent me taser! Ah, je passe direct. Monsieur, sortez du véhicule! Sortez du véhicule immédiatement! Mettez-vous à plat ventre doucement. Ah ouais, comme ça, vous voyez que mes herses, finalement, j'ai bien fait de les mettre. Voilà. Ah bah, regardez, il vient de lâcher un paquet de drogue, c'est parfait. On va le récupérer. Alors. Attends, on va le mettre. Voilà. Est-ce que je peux récupérer ce paquet de drogue? Yes, voilà, c'est bon. Alors du coup, j'ai pas noté son nom. On va vite, rapidement aller dans les infos de nom. Alors, George Sparky. Ok. On va rapidement passer dans le... Ici. George Sparky, si je me souviens bien, c'est ça. Ok, donc il est pas recherché. On va rapidement passer le véhicule au check plaque. Donc c'est une F620 grise. Métallisée, couleur métallisée. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer un peu mon véhicule en avant. Ok. Donc hit and run, donc aller rechercher. Je me suis encore trompé. On va faire un petit fou... On va fouiller le véhicule, puis on va fouiller le bonhomme et je vais lui faire passer un test de drogue, on sait jamais également. Parce que drogue runner, ça m'étonnerait pas qu'il soit sous l'emprise également. Ok. Alors c'est vrai que c'est toujours un peu lent la recherche de drogue, surtout quand il s'est bugué comme ça, on sait pas trop pourquoi. Ok, donc il a trouvé de la marijuana. Après, c'est pas grand-chose d'intéressant. Donc, on a trouvé de la marijuana, donc de la drogue. Et on va fouiller le bonhomme également. Monsieur George Sparky. Il a vraiment une gueule de... Ok. Voilà, comme ça. Alors, il me semble que c'était 10-0 pour... Ah non, c'était pas ça, ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander un transport pour cet homme. Et on va demander un tow truck pour ce véhicule. Voilà. Rapidement, je vais vérifier encore une fois. C'était ici, me semble. Ouais, c'est ça. Donc il faut que je fasse ça pour présenter les preuves à la cour. Parce que j'ai récupéré un paquet de drogue qui était... Attendez. Vous voyez, je présente tous mes chefs d'accusation. Donc il m'a agressé, hein, parce qu'il m'a tasé. Et donc voilà, il prend 23 ans de prison. Putain. Donc j'ai tout collecté parce qu'il n'avait pas eu le temps en fait de lâcher plus de paquets de drogue, ce qui fait que j'ai pu. Ok. Donc je peux reprendre ma patrouille et on est parti. Alors du coup on n'est pas trop là où j'avais prévu de faire les patrouilles. Du coup, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais faire une petite ellipse, parce que là on est un peu loin. Et je vous reprends une fois que je suis arrivé sur place. A tout de suite. Ok, donc j'ai des suspects qui sont en cours d'arrestation par mes amis, des amis, enfin des amis, des collègues. Donc on va vite se rendre sur place. Donc il semblerait qu'il soit mort. On va quand même prendre le taser, on sait jamais. On va récupérer l'arme. Voilà. Donc, vous l'avez pas vu sûrement, mais ils étaient en... Oh là là, oh là là, qu'est-ce qui se passe?
Monsieur, arrêtez-vous! Monsieur, arrêtez-vous immédiatement! Mais le tuez pas, bande idiot! J'essaie de l'arrêter, moi. Ouais, voilà, il est mort. On va appeler des coronaires très vite. C'est un peu le merdier. Donc, en fait, il était poursuivi parce qu'il avait un véhicule abîmé, il me semble, ou peut-être volé. Putain, c'est le bordel. On va récupérer vite. Mais c'est quoi ce bordel? Oh là 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 là! Vous voyez, le véhicule fume et il a des trous. Il est sur jambes, je crois. Sur certains, Je vais mettre des. Ah, ok. Bon. Hop, je mets des barrières. Non, mais t'es sérieux là? Oh là là! Putain, mais sérieux! Oh là là, mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ouais, c'est ça! Au moins des. Non, t'as pas intérêt à m'écraser. C'est ça, pip pip. Lui, désolé. Non, 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 on passe pas, j'ai dit. On passe pas. On va en mettre une là aussi. On va y arriver. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils font? Non mais t'es sérieux là? Mais qu'est-ce qui... Mais... Oh là 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 là! C'est totalement buggy. Hop, on va arrêter les gyros rapidement et on va remettre... Voilà, alors. Du coup, moi, il faut que je monte ma vitesse ici. C'est 70. Allez, passe. Du coup, mon véhicule est complètement pété. Je vais faire une ellipse, je vais réparer mon véhicule et je vous reprends une fois que mon véhicule est récupéré. Parce que là, c'est un peu n'importe quoi. Donc, à tout de suite. Ok, alors on a juste ici des suspects qui refusent de s'arrêter. Donc, je vais essayer de... qui sont armés apparemment. Oui, il semblerait que ce soit une course de rue même. Donc je vais tenter de les arrêter. On va voir ce que ça va donner. Oh putain. Ok, donc on a une tentative de fuite. Je vais appeler des unités en renfort. Et je prends poursuite. Très vite. Ouais, alors bien sûr, ils vont partir en poursuite sur ce là-bas. Alors moi, je vais prendre en poursuite celui qui est là-bas. Rapidement. Je vais demander des renforts aériens, si possible, sur ma position. Monsieur, arrêtez votre véhicule! Police! Alors, je vais demander si je peux faire un pit rapidement. Ah, je me suis coupé. Oui, c'est ce véhicule-là. Police, arrêtez-vous! Putain. On va essayer de se placer devant lui et de freiner. Oh là 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 là. Ok, il est dehors, il est dehors, il est dehors. Police, les mains. Oh là 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 là. Police, les mains en l'air. Mais allongez-vous sur le sol doucement. Allongez-vous sur le sol doucement, monsieur. Voilà. Oh là 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 là, c'était un bordel pas possible. Monsieur, veuillez vous mettre à genoux s'il vous plaît, merci. On va faire récupérer ce véhicule. Et moi je vais demander un transport rapidement pour ce monsieur là. Et je vais tenter de récupérer l'intervention. Oh là là, oh là là. Je vais essayer de récupérer rapidement l'intervention. Au pire, je vous ferai une petite coupure si jamais c'est trop lent au niveau des... Je suis en plus à contresens là. Parce qu'il semblerait que ça soit assez loin. J'ai coupé la sirène parce que ça sert à rien. Je vais regarder rapidement où c'est. Ouh là là.
Ah, c'est juste là, ok, c'est pas très loin. Je peux essayer de récupérer. Ouais. Je pense qu'on devrait pouvoir récupérer l'intervention. Il semblerait que le suspect soit arrêté. Mais ça, je vais pas pouvoir le dire avant d'arriver sur place. Non, le suspect n'est pas arrêté. Je prends la poursuite. Dispatch, je prends la poursuite derrière une. On va faire un petit check de plaque pour savoir si il est recherché. Si j'arrive à le rattraper, on va remettre la sirène. Je suis passé devant. Oh là là. On va y arriver. On va rapidement faire un check de plaque et demander un pit. Oui. Sur une Dominator, s'il vous plaît. Monsieur, arrêtez-vous, police! Et le véhicule n'est pas assuré. On va essayer de l'empêcher de repartir. Ah, il repart dans l'autre sens! On va demander des renforts. On va demander une unité pour l'instant en renfort. On a un hélicoptère. Déjà en renfort. Ah, à chaque fois. Hein. Va falloir que je change les touches. Ah, comme je suis en poursuite. Monsieur, arrêtez-vous, police! Monsieur, arrêtez-vous! LSPD! C'est bon, on l'a coincé, on l'a coincé. Non, on l'a pas coincé! Ah non, putain, mon collègue! Ah, c'est pas possible! Ah, mais putain! Alors je tire pas tant que j'ai pas des coups de feu, je ne tire plus. Enfin, je tire pas. J'ai relu un peu les règles de la police. Pas le droit de tirer tant que le suspect n'a pas ouvert le feu sur nous. J'ai un deuxième suspect. Pourquoi j'ai un deuxième suspect sur mon... Pourquoi? Mais c'est pas possible. On va essayer d'arrêter celui-ci déjà. Il y a un fou derrière. Je vais demander des renforts. J'ai un fou derrière qui essaie de m'agresser. Oh là là, oh là 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 là, quel bordel. Je sais pas pourquoi j'ai un suspect. Quoi? L'hélicoptère qui s'est cassé la tronche. Oh là 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 là, mais c'est pas possible, on va leur demander un autre hélicoptère. Ok. Oh là 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 là. Police, arrêtez-vous, maintenant je rigole plus. Allez, hop. Vous arrêtez votre véhicule immédiatement. Le truc, c'est qu'il faudrait l'arrêter avant qu'il fasse plus de dégâts, quoi. Oh là là, mais c'est pas possible. En plus, ce véhicule a tendance à mettre du temps avant de démarrer. Oh là, mais c'est pas possible, mais on met une feinte. Allez, collègues, mais vous êtes pas obligé de vous arrêter. C'est bon. Ah, et puis vous le relancez, quoi. Vous allez occuper. Il s'en occupe. Vous occupez de l'arrestation ou pas? C'est bon, il s'occupe de l'arrestation. Moi, je vais m'occuper du véhicule. On va faire rapatrier ce véhicule au commissariat. Ok. Eh ben dis donc, on a eu une belle course-poursuite. Mine de rien. Je vais couper le gyro. Et ce que je vais faire, c'est que... Alors, où est-ce qu'il va? Est-ce qu'ils le prennent? Est-ce qu'ils le prennent pas? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ok, c'est eux qui le prennent, je suppose. Allez, vous, passez-vous. Ah, je passe. Ok. On va se mettre sur le bas-côté de la route. Voilà. On va couper tous les gyros, rallumer les phares. Et j'ai un véhicule dans un état, je vous dis pas. Voilà. Dans un état pas possible. Et je crois que lui s'est fait lâcher par son pote. Méchamment. Donc moi ce que je vais faire, bah, c'est qu'on va reprendre la route, vous savez quoi.
Et il y a l'implant une fois. Ça fait deux fois que j'ai cette intervention déjà. J'aime pas trop cette intervention parce que ça a tendance à partir un peu n'importe comment. On va voir si le dispatch n'a pas autre chose. Ok. On va prendre ça. On pourra encore deux. Pourquoi je ne veux plus lancer le. Ah, j'ai tous mes gyros qui sont morts ou quoi? Ils sont là-bas. Il y a des collègues sur place. C'est bon, mais je sais pas pourquoi mes gyros voulaient pas démarrer. Ok, donc les suspects sont là. On a pas mal de collègues déjà sur place. Ça ouvre le feu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me placer devant pour arrêter le fourgon. Police, sortez du... Putain. Allez, Speedy. Ça ouvre le feu, ça ouvre le feu. On va demander d'autres... On va demander le SWAT. Hein. Merde, je tire sur mes collègues, moi. On va essayer de pas mourir. Oh là 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 là. C'est quoi ces interventions? Allez, Speedy. Posez votre arme au sol. Posez votre arme au sol. Moi j'essaie de pas trop tirer en fait, parce que je voudrais les arrêter les... J'essaie de l'arrêter. Monsieur, posez votre arme au sol, posez votre arme au... Bon, ok, je l'ai tué. Je vous garantis que les coronaires vont avoir du mal à arriver sur place. On va récupérer toutes les armes. Voilà. Non, il y avait 4 suspects normalement. 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Et on va demander un rapatriement de ce véhicule pour le commissariat ou pour la fourrière là carrément, j'ai envie de dire. C'est bon les collègues, vous pouvez putain, j'ai un collègue qui a pris totalement peur. Voilà, on va essayer de laisser passer les... Oh putain, mais mon collègue est défoncé. Ok, j'ai un collègue défoncé. Collègue. Oh. Alors j'aimerais bien l'arrêter pour... Oh, tu reprends pas la route toi. Oh. Bon. Pas très grave. Laisse-les faire leur travail toi. Lui, je sens qu'il va les écraser, va se prendre une... J'ai mon véhicule qui est dans un sale état. On va reprendre la route. Oh là là, ouais. Alors là, alors ce que je vais faire, c'est qu'on va faire une petite ellipse encore une fois, parce que là, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait? Ouh là là, ça va partir n'importe comment ça. Parce que là, j'ai mon véhicule qui a les pneus crevés, c'est n'importe quoi, il y a des tirs partout. Je vais faire une petite ellipse et je vous récupère une fois que j'ai fait réparer mon véhicule et que tout est... J'ai évacué ces véhicules parce qu'apparemment ils sont à l'abandon. Et une fois que je peux reprendre mon service. Donc à tout de suite. Ok, bon, j'ai tout réparé, j'ai fait évacuer les véhicules qui encombraient le chemin, enfin la plage. Et donc on va reprendre notre service rapidement pour voir ce qu'on peut obtenir. On va faire ça, tiens. Allez. On part en code 2. Pour aller récupérer des collègues qui ont besoin de transport. Ils sont de l'autre côté du pont. On va prendre notre temps sans trop non plus prendre notre temps. C'est-à-dire que je vais pas rouler à donf alors que c'est juste pour du transport d'officier. Mais on va pas rouler non plus à 3 km/h. Alors j'aime bien ce petit véhicule. De toute façon, j'adore les Dodge. C'est vraiment des véhicules que j'aime. Sont toujours bien modélisés et toujours bien surtout bien on va dire oh là là, mais oh là, qu'est-ce qu'ils ont fait Ah, c'est carrément un mec du FBI quoi. Il a mis son véhicule, je sais pas ce qu'il en a fait hein. Alors je sais pas où il faut l'amener, à la station la plus proche. Ok, alors c'est un peu loin. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est une petite ellipse rapide et on se retrouve de suite.
Ok, donc voilà, on est arrivé pas loin du commissariat. Ah, ça passe pile au vert au moment où j'arrive, c'est parfait. Et on va donc déposer notre collègue ici. Je pense qu'ici ça va, voilà. Salut. Bon. Voilà, un petit code 4. Et nous, on va reprendre la route. Et on va voir ce qu'on peut... Non, mais je suis en code, encore en code 3, 2, pardon. Donc on va éviter de d'encombrer la route. Et on va voir ce qu'on peut obtenir où on sait qu'on va se on va se placer ici. On va activer le radar. Voilà. Alors je sais pas combien est la limite ici. On va jauger rapidement. Sachant que vous allez un peu vite. On va descendre la limitation de vitesse à 60. Je veux voir à combien roulent les PNJ globalement. 80. 97. Je crois qu'il y a des daims qui s'enfuient là-bas. 94, donc 120. Ok, on va mettre une limite de 100 pour l'instant. Problème, c'est que je ne sais pas quelle est la. Je vais mettre 120. On va mettre 120 et on va voir ce que ça peut donner au niveau des vitesses. Sachant que je garde toujours un créneau de 5 km/h globalement pour. Comme en France, comme d'habitude. Donc bah voilà, en attendant, on va voir si on... 123, ok. Oui, donc avant qu'on se fasse... au tout début de l'épisode, afin qu'on se fasse interrompre par un PNJ qui roulait trop vite, je disais qu'il allait y avoir un épisode spécial sur la gendarmerie, ou la police nationale, sur la police française, de toute façon, tout court. L'épisode suivant sera sur... Ok. Ok, donc j'ai planté. Ou quelque chose a planté. Je pense que c'est le radar qui a planté. Le radar a planté. J'ai tout qui a planté ou... Je peux toujours partir en intervention. Non, j'ai tout qui a planté. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous épargner le redémarrage. Et on se retrouvera pour un dernier call-out, je pense. Définitivement. Il y a des cerfs qui traversent la route là-bas. À tout de suite. Ok, donc on va finir nos interventions avec un véhicule volé. Donc je vais partir en code 3 pour l'instant. Dès que j'arriverai à proximité du véhicule volé en question, je couperai mes gyros et tout. Donc c'est-à-dire dans pas longtemps. C'est-à-dire maintenant. Voilà. On va juste mettre ça pour passer. Voilà. Véhicule volé de police, donc c'est notre dernière intervention pour la journée. C'est celui-ci, il me semble. Donc ce qu'on va faire, c'est que... On va faire... Ah bah j'ai même pas besoin. Hop, on va... Oh putain! Officier, oh putain, on me tire dessus. Il me tire dessus carrément. Alors je vais appeler vite ça et des patrouilles alliées. Donc j'ai autorisation de tir, je vais tirer uniquement sur les pneus. Police, arrêtez-vous! Arrêtez votre véhicule! Dispatch, j'ai des coups de feu sur officier, coups de feu sur officier, je répète, coups de feu sur officier. Je vise les pneus. Je ne tire pas sur les suspects, je vise les pneus. Suspect est sorti de la route. Le suspect me tire dessus. Le suspect me tire dessus. Je m'écarte. Ah putain, je suis mort. Ah, et c'est des snipers ces mecs. C'est des snipers ces les PNJ dans ce jeu. C'est abusé. Et voilà. Code 4. Donc je suis mort. Moi ce que je propose c'est qu'on fasse un dernier call-out parce que c'est pas intéressant de me voir de finir un épisode sur ma mort. Surtout que là c'était intéressant. Donc ce qu'on va faire c'est que il me semble que j'ai un plugin qui me permet d'appeler un véhicule. Donc je vais essayer de trouver ça rapidement. Le problème c'est que j'ai tellement de plugins, c'est n'importe quoi. Je sais même plus quel... Quel bouton, quelle touche c'est. Alors, on va essayer ça.
C'est pas celui-là, c'est peut-être celui-là. C'est peut-être. Non, c'est pas celui-là. Attendez, je vais essayer celui-là rapidement. Non plus. Oh là 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 là. Oh merde, un véhicule volé en plus. J'ai pas de véhicule moi. Alors, je préfère rester RP, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai pas envie de. Rapidement. Non, c'est pas ça. Je vais pas y arriver. J'ai un extincteur dans les mains, je sais pas pourquoi. C'est ça, voilà. On peut demander un véhicule de police. Voilà, pour moi. Elle aura peut-être pas le même skin. Non, mais ne me dites pas qu'il est là-bas. Oh là là. Oh, c'est quoi? Oh, mais il est loin là. Ennemi. Contre ennemi. J'en demandais un autre parce que. Ouais, il est plus proche celui-là. Ouais, il est beaucoup plus proche. Donc on va attendre que le véhicule arrive et après je pourrai récupérer mon service. D'ailleurs, on va se mettre en. Voilà, je suis pas activé pour les appels donc je suis hors service pour l'instant. On va attendre que le véhicule arrive. Il arrive. Oh, c'est parfait, on va voir le même skin. Ouais, écrasement en plus. Salut! Voilà, je vais me mettre actif pour. Voilà. Ah là 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 là! Pour le service et on va prendre. Reprendre notre service. D'ailleurs, je vais couper le radar. On va partir par là-bas. On va y arriver. Donc, on va faire un dernier call-out. Éventuellement, quand quelque chose apparaîtra, quand ça voudra. Parce que mine de rien. Ah ben voilà. Hop, on part en code 1. Code 3, pardon. Parce que là, il vient de griller un feu. Il vient de griller un deuxième feu. Donc, il va s'arrêter immédiatement. Monsieur, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Hop, vous allez, monsieur, s'il vous plaît, monsieur ou madame. Je dis monsieur depuis tout à l'heure, mais peut-être que c'est pas un homme, si c'est un homme. On va préparer, si jamais, le taser. J'aimerais bien pouvoir récupérer mes. Oh, pourquoi je peux pas. C'est pas grave. Bonjour, monsieur. Je vais vous demander vos papiers d'identité, s'il vous plaît. Bon, je vais aller vérifier son identité rapidement dans la voiture. Marshall Blackstone. Marshall Black. Je vais y arriver. Blackstone. Ok, donc il est pas recherché et il a pas de problème de licence. J'aimerais bien juste ranger mon arme parce que ça le fait pas quoi. Si vous avez un flic qui vous arrive comme ça, on va lui demander si il a bu ou pris quelque chose d'illégal. Ok, il me dit qu'il a bu, qu'il est bien hydraté. Alors le problème c'est que là j'ai un truc qui est affiché devant. C'est mon truc de montage donc du coup je vois pas ce qui. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre une amende. Voilà. On va pas saisir le véhicule. On va lui mettre une amende de 100. Alors je sais pas combien c'est en France les amendes pour. Alors je sais que c'est 4 points pour un feu rouge. Mais je pense qu'il y a une amende derrière. Donc je vais lui mettre 100$. Parce que ça doit être à peu près 90€, je pense, en France. On peut lui mettre ça. Et du coup, tu. Ouais, voilà, c'est bon. Il lui met l'amende. Et je pense qu'on va se laisser sur ça.
Sur une petite calotte, ça c'est calme. Parce que je suis mort sur le précédent. Voilà. Ouais, tu cherches les idées dans les nuages? Il est pas pressé de lui donner le... Allez, circulez! Circulez, circulez! Eh bien, on va cesser sur ça. Sur ce petit call-out assez calme. De personne qui aurait grillé un feu. Donc, quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé l'épisode si vous l'avez regardé jusqu'ici. Encore désolé pour le petit problème technique qu'il y a eu vers la fin de l'épisode. Et je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.